YouTube, c'est Sean Kazma et Capistal. Capistal, bonsoir Capistal et bienvenue dans le monde incroyable, le pays d'échappée aujourd'hui. On poursuit avec Jeune Jean l'objectif de faire le 100% de Super Mario Odyssey. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions assez bien progressé dans le monde des chapeaux, même si on a perdu pas mal de temps, on a eu pas mal de problèmes avec l'épisode précédent parce que la cam a craché, vous ne le verrez pas, de toute manière c'était un ellipse, mais surtout on a galéré pendant 25 minutes sur une phase ridicule. Je vois que tu prends de l'avance, hein, Capistal, je te vois en train de faire des choses incroyables. Alors là, cocotte. J'applaudis. Capi, il peut pas récupérer les étoiles, enfin les lunes. Je vais jamais m'en sortir avec l'étoile et les lunes. Le pire, c'est que maintenant qu'il y a des vraies étoiles dans les lunes, enfin je peux récupérer que les pièces. En faisant tourner le chapeau d'or. On a pris le checkpoint. Oh, le checkpoint de la place centrale. Alors, attends, je peux te montrer un truc. Oui, vas-y. Il te faut une grenouille. Oui, enfin c'est ce que je me suis dit au premier abord, mais what? Non mais excusez-moi. Alors, oui, je voudrais prendre possession des lieux. C'est spécial, faut lui parler. Non, je le raque. Attends. Faut vraiment lui parler? Oui. Bah d'accord, bah écoutez, parlons-y. Tu veux parler ou je parle? Vas-y, oui. Parle. Tu parles jamais. Cette lune est sous ma protection, rien ni personne ne pourra me la prendre, pas même les Paragoombas. Les Paragoombas? Ah, ils font un Paragoomba. Voilà. Parce qu'ils ont peur des ennemis. Il n'y en avait pas un ici. Si. Mais comment je le ramène? Alors. Attends, il n'y en a pas à ce niveau-là. Non, je vais te montrer, tu peux le ramener. Ah, derrière, il y a un escalier. Non, moi je le ramène par là, moi. Par là où? Bah, par le pont. Là? Oui, là, va voir. Mais il y en a là-bas. Non, mais attends, il y en a là-bas, en fait. Oui, non, mais parce que... Bah, tu sais quoi, on va faire ta technique, parce que je suis quand même curieux, je veux savoir comment tu ramènes. Non, parce que depuis tout à l'heure, elle me regarde faire, en plus. Elle est avec moi, elle me voit galérer, mais elle me dit pas qu'on peut les ramener. Bon, du coup, je te suis. On fait quoi? Vas-y, va le prendre. D'accord. Là c'était un suicide, hein. Littéral. J'ai pas regardé, c'était un suicide, hein. Alors, moi je me mets sur le petit bitonio du centre. Ça? Voilà. Ouais. Voilà. Comme ça t'as assez de hauteur pour te mettre sur les blocs. Monte. Non. Oh, si tu veux. C'est des tricks en fait. Non mais tu pouvais. En fait il y avait un autre bloc au-dessus. Qui apparaissait. Ah! Bah, il n'empêche quand même que tu nous fais des bons tricks, hein. Des bons tricks. Bah, c'est plus rapide. Non, c'est vrai, mais ils volent pas énormément en fait. Non, ils volent pas très haut. Genre 2 cubes de haut peut-être. Ouais, parce qu'il y a un truc que t'as toujours pas vu dans le monde. Mais c'est pas grave. Non. Ah, on ne passe pas. Pousse-toi, grosse fesse. Non mais, un chapiforme très courageux. Mais tellement. Et d'ailleurs, toutes les lunes maintenant, ils ont cette tronche là. Ouais. J'avais pas fait gaffe en fait, je viens tout juste de voir. Donc, tu me dis qu'il y a un truc que j'ai pas vu là-bas. Non, mais je te laisserai voir le moment venu. D'accord. Oui, au passage, justement, il faudra qu'on aille chercher cette lune parce que on est passé 8 fois à côté, oui. Au moins, et on l'a plus. Bon, enfin, on l'a pas, pardon. Il y a que 2 grenouilles dans ce monde que on voit que les mêmes. Ah, ouais. Non, je pense qu'il y en a d'autres endroits, mais. Blablabla, oui. Oui, donc attends, c'est ça que je voulais faire. Passer au magasin. Waouh. Parce que j'adore le costume de Mario 64, mais ce serait bien de voir un petit peu s'il y a d'autres trucs. On l'avait pas déjà récupéré la lune là-bas? Si, c'est toi qui l'avais récupéré. Si, mais elle brille toujours. Ah ouais, non, mais si elle nous fait des petites fentes comme ça là. Oh. C'est sur la maison à gauche la lune. Où ça là? Ah, la lune qui vole. Ouais. Ok, bon, on va faire la lune qui vole. C'est parti pour la lune qui vole. Là? Ouais. Hiya. Magnifique. Bien beau. Non, j'allais dire bien joué et bravo en même temps. Ah oui, alors, sur le... Je te le dis comme ça, dans les mondes maintenant t'auras des cheminées comme ça. Justement, j'ai posé la question, c'est quoi là? D'accord, et c'est long ou pas? Juste pour savoir si je passe au magasin. Hein. Ça dépend des niveaux. Bon, écoute, on va d'abord passer au magasin. Juste avant, ce que je voulais... là, ça. S'il te plaît, voilà. On essaye toujours, jeune gens, d'avoir les costumes des mondes si possible, mais ensuite, voilà, variation, petit plaisir, changement de temps en temps. On s'amuse. C'est très l'éclate, hein, c'est très l'éclate. Oh, trop beau. Chapeau de gentleman. Oh, ça, je le veux. Petit tour. Ouais, non, pas ouf. Par contre, la vignette. Oh, elle est jolie, la vignette. Jack Skellington Power. Oh, le chapeau. Le chapeau du plaisir. Avec le petit costume de gentleman. J'aime beaucoup. T'aimes bien ou pas? Ah bon, moi je kiffe. Oh là. Mon dieu. Oh, ce charmeur en puissance. Mario. Oh là là. Oh, le charme, monsieur. Oh, c'est extra. Il est
Bah ça va, dis-le si je te dérange, Capi. Ah quoi, non. Hein, quoi, non, vas-y Mario, j'étais en train de déménager des cartons. Allons-y. Je profite de ma nouvelle forme. Du coup, c'est devenu... Enfin, c'est que des cheminées ou c'est des tunnels en plus? Enfin, des... C'est des cheminées qui sont après... Enfin, c'est qui arrivent après la fin de l'histoire, en fait. Ah, d'accord, en fait, c'est des cheminées en lune. Enfin, en matière lune. Ah, je me souviens de celui-là, il est marrant. What? C'est marrant, tu vois. Ça avait l'air d'être un toboggan, non? C'est marrant. C'est un toboggan. Allez, bon courage. C'est un toboggan. Oh mon dieu! C'est un boulebogan! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Le contrôle il est lourd. C'était à gauche. Ouais! Non, mais là je peux pas sauter! Ah bah non! Ah là là! Ah non, mais faut le savoir! Ok. Bon, je suppose que jusque là c'était simple. Hein? N'est-il pas? Ouais. Ça va, Capi chapeau haute forme? Ça va. Capi haute forme. Bon bah écoute, je m'en serais bien sorti pour la lune de base. Voilà, moi je... Oui! Excellent! Quand ça roule, ça roule. Parfait. Oui, non, du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire au début, parce que j'arrivais pas à parler. J'ai cru que la cheminée était propre, en niveau décoration, au monde. D'accord, oui, non, ce sont des cheminées lunes, en fait, donc ouais, c'est des nouveaux... What? Ah, d'accord. Oui, non, mais j'y retourne pour aller chercher l'autre. Tant qu'à faire, on sait où aller, allons aller chercher. Oui, et du coup, ce que je voulais me dire, oh là là, c'est que ça me fait beaucoup penser à Mario 3D World. Les niveaux bonus, je sais pas, ça te fait penser à ça, non? Non, je... D'accord. Peut-être. Aya! Je sais pas comment t'as fait pour pas galérer. En bout, on finit. Vraiment, alors je vais pas te mentir, c'est peut-être moi, hein, mais je l'ai pas trouvé dur. Je pense que ça dépend des personnes. Moi, je galère sur ces trucs. Parce que tu l'as dit encore tout à l'heure, il y a des trucs où tu galères pas. Oh! Mais pardon! C'est pas ce que je voulais faire. Bah, je sais pas, moi, je trouve pas ça galère du tout, genre de truc. Par contre, c'est toi qui as redressé sa caméra. Ah bon? D'accord. J'ai pas touché. Ok. Non, c'est peut-être moi, hein, mais je fais pas gaffe. Et oui, donc il y a des trucs sur lesquels toi tu galères que nous, Zik et moi, on va pas galérer parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, je pense. C'est sûr. Après, c'est que moi j'ai beaucoup de difficultés avec la profondeur et la 3D. Ouais, déjà. Mais, non, puis même, on n'a pas la même expérience. Je veux dire, nous on a beaucoup joué, toi peut-être pas autant par exemple. Oui, c'est sûr. Non, puis bon. Voilà. Bon, écoute, moi j'ai un super costume, hein, je m'en plains pas. Tu veux continuer à fouiller ce monde ou pas? Parce que moi j'ai bien envie. Je te propose de regarder quelque chose par là. J'allais chercher la lune du monde. Genre par là. Par là? What? Qu'est-ce que ça fout là? Oh, pardon. Oh, Mario, je suis content de te voir. Je suis content de voir que tu continues de voyager. Tiara et moi avons décidé de faire le tour du monde. Et cette fois, c'est nous qui décidons le programme. On peut profiter à notre guise et de beauté et de paysage. Tu as vu ça? Ici, chez Tiara, les gens circulent dans les vaisseaux en forme de chapeau. Cette terrasse est l'un de mes coins préférés. Quelqu'un m'a donné une lune tout à l'heure. Tiens, utilise-la pour continuer ton voyage. En fait, c'est devenu une espèce de Captain Toad. Voilà. On va devoir la trouver à chaque fois. T'as vu comment elle est moins nunuche sans sa robe? Elle est tellement jolie comme ça. Oui, mais ça lui va tellement bien. Ça veut dire qu'elle aura des costumes en fonction. Voilà. Mais c'est génial. Attends. Oui, tu peux prendre des photos. On a pris plein de photos avec Zik. Du coup, il y a un mode photo ou c'est juste photo de la console? Non, il y a un mode photo. Comment on fait? C'est toi qui start. Du coup, le mode photo, c'est toi qui l'as? Non. Comment il y a un mode photo? Je sais pas. Comment? Double joystick peut-être? Appuie sur ton joystick. Des fois, il y a des jeux, c'est double joystick. Non, c'est pas ça? Non. Bah écoute, non, mais je sais pas, c'était juste pour la miniature. T'inquiète pas, je m'arrangerai. Mais d'accord. Au pire, si tu veux, on en a pris, nous, des photos. Ah, t'en as pris? Ah, bah nickel, c'est bon. Oui, en plus, il m'en avait montré une, mais je savais pas comment vous avez fait. Lancer le chapeau d'un. Ah, mais non, ça, c'est les astuces. Eh oh, on s'est joué, hein, quand même. Oh, épisode 20, je sais pas combien. Mais voilà, on est là, on est présent. On est beau, on est bien sapé. Donc, il faut trouver Madame Peach un peu partout maintenant. Oui. Viens voir par là. Va. Oui. Descends voir. Qu'a-t-il? Qu'as-tu vu? Va voir lui là sur la maison. Débouche-moi ça là. Ça me perturbe. Oh! Je l'ai enfoncé! Ah bah bravo. Et je fais comment maintenant? Pardon. Désolé. Ah donc vraiment il y a des PNJ qui servent maintenant. Ah salut Capi, ça fait un bail. Dis-moi, tu te souviens de ce trésor dont tu m'avais parlé? Tu sais, tu m'avais dit que je pouvais le garder si je le trouvais. Non, que je pourrais le garder si je le trouvais. Voilà. Je sais pas où tu l'as planqué, mais je l'ai toujours pas trouvé. Et Capi, il sait du coup? Descends de la maison. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Sous cette pile de caisses peut-être? Alors, ça fait partie des lunes que j'ai pas trouvées. J'ai dû casser toutes les caisses du monde. Et j'en sais. Et peut-être que ça vibre, non, je sais pas. Il y a un truc là. Trop bien, des pièces. Attends, déjà on va faire ça, oui, parce que je le vois depuis tout à l'heure. Et gay! Oui. Ok. Jusque là ça va. Non. Bravo. Non.
Non mais je galère de ouf à faire la technique du saut en longueur avec cette manette. Enfin, non, c'est pas que je... En fait, on devrait acheter vraiment les trucs qui font la manette. Tu sais, ouais. le contour du Joy-Con. Parce que vraiment, j'ai vraiment du mal à l'avoir en main. Vraiment. Donc, on va retenter au moins une fois. Parce que bon, soyons fous. Et puis le mannequin, il prend de la place. Non mais, c'est vrai, il m'empêche de sauter droit, c'est chiant. Moi, je trouve. Voilà. La caméra, elle se remet bien, c'est sympa. Et du coup, j'avais la pression. Ah ! D'accord. Les salauds. C'est rapide ! Tu veux que j'essaye ? Oui, s'il te plaît. Tiens, je vais jouer Capi. Ok. Comment on joue Capi ? Bon, c'est pareil. Oui, sauf que tu sautes pas, sauf que... Si, tiens, je vais être le chapeau chiant comme t'es tout le temps. Mais si, tu sautes. Mais non, je suis Capi, je peux pas sauter. Mais si, tu peux t'élever en hauteur. Ah regarde. Ah oui. Merci. Je sais pas comment j'ai fait. C'est un bordel à contrôler Capi. Génial, merci, voilà. Eh, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est toi qui a fait ça. Non mais m'accuse pas. Elle m'accuse. Ah. Mais c'est super dur. Ah, c'est super dur. On retente une dernière fois ou pas? Attends. Tu vas essayer pas les contrôles. Tu veux essayer en mode vraiment case Mario? Ouais. Allez, en mode Stellario. Ah, il y a un concept. Ça me perturbe en fait le fait qu'il y ait encore les traces des lunes. Alors que on les a déjà. Ouais, c'est chiant. Ouais, parce que du coup, ça t'aide pas à savoir où t'es déjà allé, hein. Et après, faut faire un saut en longueur dans l'autre sens, de toute façon. C'est pas un saut. Oui, bah comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que j'ai pas eu le temps. Parce que vraiment, c'est instantané. Merde. Ouais, c'est ce que je veux faire moi aussi, un saut en longueur. Mais d'habitude, j'y arrive. La plateforme est trop rapide. Me. Hein? Me. J'ai besoin de toi. Pas pour des sauts en longueur, non, désolé. Ouais, bah moi aussi, hein, quand j'ai les deux Joy-Con. Non, mais... Un vrai calvaire de la supporter, hein. Non mais, 3 épisodes maintenant qu'on est ensemble et... Aïe. Non, je pense que si tu te mets sur un truc à côté, ça marche. C'est beaucoup trop juste, c'est beaucoup trop juste. Ouais mais c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, j'ai essayé de me mettre sur le bloc jaune. Et ça a pas passé. Enfin je veux dire, c'était trop... trop rapide. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Après, si, t'as le temps, mais c'est très millimétré. T'as des lunes, waouh. Tu t'accroches, hein. T'accroches le flip. Je pense vraiment, par contre, que la première... Voilà, c'est vraiment de faire ça. Parce que ouais, ça ouais. Te fait gagner du temps monstre. Au moins sur ça. Voilà. Non. Oh mon dieu, pays des chapeaux, Athletic Tag 2. Comment ça, Athletic Tag 2? Il y avait un Athletic Tag 1. Ah oui, c'est vrai, des fois, il y a plusieurs mannequins. Il y en a 3 du par coup, niveau. Parce que... Oui, son trésor à lui. Je sais. Ah, attends, il y a ça. C'est quoi? Une faux. Il y a les indices, j'ai du mal à les comprendre. Non, je comme ça, c'est fait. Il y a quoi là? Des pièces. Donc, il a dit qu'il l'avait caché sous un tas de caisses, c'est ça? Ouais. Bah, écoute. Allons-y. Et ça peut être que dans cette zone là ou parce qu'il y a d'autres zones après, non? Tu sais, des zones qu'on joue ensuite. Je sais pas du tout. Oh, c'est bizarre ça, c'était joli mais bizarre. Y'a quoi par là? Bah y'a la suite. Merci. Allons voir, oh non. On se le fait ou pas? Il est pas dur. Ah oui, bon bah tant mieux. Tu roules. Hein? Roule. Ah allez, roule. Oui. Oh la vache. Béni chapeau athlétique 1. Ah, ouais non ça va, franchement ça va. Ça va, large. Lablabla. Par contre, vraiment, ça donne l'impression que tu peux sauter. Non, bien plus haut que ça. Alors que pourtant. Wow. Capi. C'est toi qui veux tu ça. Tu me donnes le tour. Ah bon? Pardon. Oui. Excuse-moi. On se prend dans tous les sens. Ouais. Capi qui se fait une fortune dans son coin. Oui. Oui. Ça, nickel. Haya. En vrai, ça fait drôle de revoir Mario habillé normalement, parce que là, bon, là, il a le smoking de gentleman, mais quand on l'a recroisé, il y a 2 épisodes maintenant, ça faisait drôle, hein. Attends, Haya. De quoi?
Tu arrêtes quoi? S'il y a un truc de dissimulé? Non, moi je propose d'aller jusque la fin du niveau, de revenir un petit peu sur le début, de continuer à explorer un petit peu ici et là. Les pièces, oui, j'ai vu. Et je pense qu'on sera bon pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Un épisode pas trop long, mais voilà. Au moins, on aura fait un double épisode au manoir. Enfin, au pays de. Non, pourquoi je dis manoir? Au pays des chapeaux. Chaque fois, je veux dire manoir boue. Non, mais c'est la fête. D'ailleurs, il n'y a pas de pays boue. C'est vrai. Bah, je pense que celui-là, il remplace un petit peu. Oui, oui, mais. Bon, il manque le pays illusion, tu vois, le pays où le jeu il te moque de toi en fait. Attends. Ça, les casses. Blup. Fais-tu cette grenouille? Attends, on a tout là? Il y a un truc de caché. Oh, c'est joli! Waouh! Et des chapeaux qui font de la lumière. On est dans une autre dimension. En fait, il y a rien entre les deux. Entre les deux quoi? Bah, entre la première zone et la zone où on était là. On peut redescendre. Oh, on peut redescendre. Tu peux redescendre. Oh, tiens, tu vas redescendre quand tu vas être tout en haut. Ouais, c'est comme tu veux. Bah, ça dépend. Est-ce que le fait d'aller en haut va m'aider? Ça va pas t'aider, non, mais. C'est quoi le truc à côté? J'ai vu un truc à côté. Un truc vert. Tu l'as vu le truc vert ou pas? Oui, oui, j'ai vu. Oh, c'est joli! Wouah! Le monde dimensionnel! Ouais, bon courage. Ouais, mais tu. Non, mais. Tu... Moi, ça me fait galérer ce truc, moi. Hein? Ça me fait galérer ces trucs. Ouais, mais encourage-moi, de bonne chance, tous les deux secondes, bonne chance. Non, mais tous les deux secondes, c'est. Pff, tu vas mourir, je suis. Pourquoi tu me lances, Clepsy? Eh, j'ai besoin de toi! Ouf. Mais pourquoi tu me lances, chien? Parce que c'est pour courir! Mais ça peut-être pas, hein, tu cours pas là. Mais moi c'est l'impression que ça me donne dans tous les maos du monde quand t'appuies sur oui, cette touche-là, ça te fait quoi? Oui, mais c'est l'impression. Capi? Merci. Excellent. Alors ça je crois que voilà. Que je peux faire ça du coup. Ouais. En fait je sais pas, je me suis posé la question d'un coup. Je me demandais... La ligne secrète elle est où? Derrière les blocs. Les blocs? Alors, là tu vois t'as un bloc... Orange. Ouais, mais je l'ai vu là-bas en fait, elle est tout droit. Il y en a deux, regarde. Non. Mais c'est quoi en dessous? Ça brille? Ah non, c'est des pièces. C'est. Non, c'est des pièces, c'est des pièces. C'est des pièces. Du coup, tu l'as vu où toi? Alors, il faut que tu ailles à la prochaine plateforme orange. Et tu t'arrêtes, celle qui est là-bas. D'accord. Bon. Et ben on va rigoler. L'illusion, zut. Là? Quoi? Non, mais ça se fait pas des choses comme ça! Je peux rester dedans? Je me suis trouvé un appartement! Arrête, c'est spacieux! C'est plus grand qu'un appart à Paris, toujours. Ah, ça parle mal, hein! J'aurais presque préféré mourir en vérité. Oh là là, oh là là. Ah, allez, grimpe. Nom de Dieu. Ouf. Bon. C'est difficile. Wow. La prestation. Oh là 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 là. La Kazma Station. Allez, hop, tout droit. Bon, alors, je vous disais. Je vous disais. Non, je vous disais. Je vous disais. Ouais, je vous disais. Capi? Capi? Bah, désolé, mais. T'étais où, Capi? Bah, je m'éloigne parce que à chaque fois, tu le mets devant toi parce que tu crois courir alors que tu cours pas et du coup, ça te fait faire n'importe quoi. Non, c'est pas, je sais que je cours pas. J'ai compris depuis 20 épisodes maintenant que je courais pas. C'est juste, j'ai besoin de sentir que le bouton est appuyé en fait. Non, mais je sais que je suis dans un Mario et si tu veux, ça me perturbe. Non, mais c'est comme si demain tu me sors un Assassin's Creed genre type Origin où les touches sont pas les mêmes, tu vois, c'est perturbant. Merci bien. Non mais... Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas moi, hein, c'est toi qui va au bout, mais... c'est toi. Mais ça me sort automatiquement? Oui. Ok, là c'est là que j'aurais dû aller. Bah oui, mais je sais pas, je m'engueule pas. On fait pas une bonne équipe. Tu peux t'arrêter à chaque point, hein, tu sais. Comment ça? À chaque point des trucs électriques, là tu peux t'arrêter. Je sais, mais pourquoi tu veux que je m'arrête? Bah parce que par exemple, en dessous, regarde. T'avais un point juste avant pour t'arrêter. Ah d'accord, il y a un relais. Voilà. D'accord. Oh. Aïe. Concentration. Mais ça par contre, c'est... Non mais...
Non mais il met... comment je... Ah. Non, je veux dire, à chaque fois il s'accroche au rebord, il peut pas sauter normalement? Pourquoi il s'accroche au rebord? Ça prend trop de temps. Bah, parce que c'est fait comme ça. Mais non, 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 mais je pense, Namour, qu'on n'arrive pas à jouer parce que... Non, non. C'est fait exprès, je pense que la hauteur, ça, tu vois. Ah, mais c'est hyper relou. Bah, oui, sinon ce serait trop facile. Oui, non, mais là, c'est carrément au poil de... Non, mais... Surtout qu'en fait, en fonction de... Non, 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 Capi, Capi. En fonction de la caméra, en fait, c'est plus la même touche pour monter, tu vois ce que je veux dire? Je fais n'importe quoi, hein. Oui. Oui, bah, ça, tu vois, c'est un autre défaut des Joy-Con, hein, faut le dire. Non, c'est pas un défaut, mais c'est juste que tu peux pas te permettre de faire des grands mouvements. J'ai rien dit, moi. Allons-y. Ah, tu vois, là, ça passe. Bon, donc, parce que bon, là, ça oui, fait parce qu'il y a pas de distance. 3 quarts d'heure. Il y avait pas de distance entre les blocs. Il y a pas de distance entre les blocs. Bah, des fois, il y a de la distance entre les blocs. Oui, mais là, il n'y a pas de distance non plus. Oui. Non plus, il n'y a pas de distance. Oui. Mm-hmm. Sérieux. Pomme de terre. Oh. Oh, ce sauvetage éclair. Wow. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je sais pas combien d'élus je vais faire dans cet épisode, mais... En fait... Ce genre de phase à deux, mais alors... Tu veux la faire tout seul? Non, c'est pas ça, c'est je vais demander tellement de pouces bleus, de patounes bleues pour ce genre de phase, parce qu'en fait, c'est hyper dur sur un gameplay comme ça de jouer avec ce genre de système. Parce que tu dois gérer ta caméra et en même temps gérer les sauts. Je dis pas que c'est pas faisable, c'est faisable. Mais alors, ça te met tellement un point de difficulté en plus. Oh là là. Et là, je pense qu'on n'est pas sur les plus durs. C'est ceux-là les plus durs, je trouve. La vache! En fait, quand tu cours, il n'y a plus le même problème. Je me demandais si t'allais voir. Faut que tu tâches au bon moment. Non, c'était pas l'idée de m'acheter au bon moment, c'est juste que je me demandais si je récupérais les pièces, en fait. Mais en fait, la faible. Escalade au mur aux coulisses. C'est bon? Oh mon dieu! Allez. Oh. Non mais j'aime bien, j'adore les jeux qui résistent. Surtout des Mario, tu sais, ça fait plaisir. Oh, oh. Wesh! C'est un coup à wesh! C'est Cooper de Paper Mario 64. Envie de courir avec les rois de la course. Désolé les gars, mais c'est pas possible de faire la course en duo. Dommage, une autre fois peut-être. Ah, et c'est dommage, pour une lune ça. Au moins. C'est deux lunes. Ah! On essaiera une autre fois, on essaiera une autre fois, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un truc à aller faire en haut? Ben du coup c'était la course. Mais peut-être qu'il y a, y a que ça. Peut-être qu'il y a autre chose. On va aller voir, on va aller voir. Il y a un véritable escalier par contre. Oui, oui. Véritable escalier. Véritable... Ah mais c'est même pas un escalier, c'est une pente. C'est une pente escalier. Ah non, c'est un escalier. Enfin c'est, oui, une pente escalier. T'as vu ce que t'as fait tout le tour, c'était au-dessus. Zut, j'ai pas vu... Oh, Captain Toad! Ah oui, oui, bah heureusement qu'on est pas redescendu. Salut copain, ça fait longtemps. Tu deviens quoi? Tu deviens boss? Je suis monté jusqu'ici pour voir cette énorme lune de plus près. À propos de lune, j'en ai trouvé une sur la rune. Tiens, elle est pour toi. Sur la rune. Sur la rune. Une lune trouvée sur la rune. Bonsoir, Captain Toad. Excellent, excellent. Bon, on se récupère la petite lune bonus. Ouais, la lune en dessous. Ouais, on s'en fait encore une ou deux, et puis je pense qu'on sera tout bon pour cet épi. Non, t'abuses. Mais en fait, je voulais pas faire un one shot de saut. Je voulais pas faire ça. Je voulais tomber au rez-de-chaussée. Enfin, l'étage d'avant. Et il a dit non. C'est quoi ça? Pourquoi le jeu me respecte pas quand t'es là? Mais c'est dur en vérité de jouer à deux. Hein. Ça aurait été bien en fait que tu puisses jouer Peach. Ça serait rigolo, à vous. Oui. 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 Non, franchement, ça va. Mais ça fait une difficulté terrible. Une véritable difficulté. Mm-hmm. T'es pas d'accord? Si. J'ai l'impression de te sentir silencieuse parce que je passe à côté d'un truc que tu voudrais non, me dire mais que... Bah non non non, là j'ai rien à te dire de spécial. Ah t'as rien à me dire? Non. Ah là jamais rien à me non, dire de toute façon. Bah, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, là, jamais rien à me dire. 8 ans. Oui. Carrément. Au moins. Alors. J'ai cru que j'allais passer devant, sous le bord du grand chapeau. Ah, c'est infernal. Ah, mes jambes. Bon, allez, roulez-vous, les cassos.
Allez, on va aller chercher. Ah mais non, on a deux barres complètes. Bon allez, juste pour le plaisir de se dire qu'on aura 21 lunes. Après on les valide au vaisseau et puis écoute, je pense qu'on sera bon, hein. Eh, d'ailleurs j'y pense, mais on n'a pas récupéré plus de pièces vedettes que il ça. Il reste la lune sur le panneau là-bas si tu veux. Bah c'est celle-là que je vais chercher. Ah bah pardon. Tu pensais que j'allais où? Bah j'en sais rien. Oui, en même temps, oui, non, je t'ai pas dit, donc c'est vrai. Non, c'est vrai, j'avoue. C'est quoi, en fait, tu devrais faire la caméra quand je fais ça. Qui le mec qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? Sans déconner. Ah d'accord, j'avance plus. C'est épuisant. Sur le panneau, tête de mort. On valide les lunes. On valide les lunes. Et on va dodo. Ok. Oh là là. Yes. Bon, 21 lunes en un monde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est honnête. C'est honnête. On passe donc à 265, autant dire que toi t'avais clairement fait le double, hein. Il y a du nouveau dans les boutiques, déjà? Ouais. Mais ça va super vite. Ouais, bah écoutez, jeunes gens, pour le prochain épisode, changement de costume, changement de look, comme d'hab, hein, on se refait pas. L'Odyssée a gagné en puissance. Mais en fait, si on arrive à 999, le ballon, il devient énorme. Quoi? 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 Qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau monde? On peut désormais voler jusqu'au côté obscur. Je crois que ça fait de véritables explorateurs. Quoi? D'accord, alors. Quand je pensais pas que les 40 lunes à récupérer, c'était partout. Je pensais que c'était 40 lunes au royaume champignon. Comment ça? En gros, il y avait marqué sur l'Odyssée, dans 40 lunes, vous avez accès à un nouveau monde. Non, c'est pour gagner en puissance. Oui, mais c'était 40 lunes en général, en fait. Enfin, ouais. Partout. Je pensais que c'était 40 lunes au royaume champignon. D'accord, donc on a déverrouillé le côté obscur. Mais en fait, c'est ça, on va avoir des niveaux autour de la lune. C'est rigolo. Il y en a deux en plus. Il y en a deux? Deux en plus de celui-là? Il y a le côté obscur et le côté très obscur. Donc, il y en a que deux. En tout cas, moi, j'en ai débloqué que deux pour l'instant. D'accord. Ah oui, d'accord, 235. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Mais ça va aller vite parce que t'as vu, les lunes des blocs de la lune, elles sont pas très bien cachées. Non, c'est vrai. Non, puis il y en a plein qui sont assez faciles à récupérer. Bon, et bah écoute, ma petite stat, on a bien avancé pour ces trois épisodes de ce soir. Une bonne session, une session honnête. On a fait plein de choses formidables. On s'est passe mal. On s'est. J'arrive plus à parler. Ouh la vache! On a enchaîné 3 Lego, plus un bug d'une heure, plus 3 Mario. Autant vous dire que là, je suis exquinté. Esquinté. Je vais me coucher, bisous tout le monde, bisous Stal, et à très bientôt jeunes gens pour une nouvelle session, pour une nouvelle vidéo. Et du coup, est-ce que tu vois contente le côté obscur? Alors là, alors moi j'ai tenté, et puis j'ai arrêté. D'accord, en plus là on joue à deux, ah ça va être formidable. Alors même Zik il a arrêté déjà. Oh ça va être formidable. Est-ce qu'on ira voir quand même ce que ça va? Ah mais oui, il faut aller bon, voir de toute façon. Jeunes gens, prochain épisode, côté obscur, mais là tu me fais peur. Oh la vache, oh la vache. C'est faisable, hein, mais...